Là, nous parlons d'un chef-lieu et département du Nord, là, Cap-Haïtien, deuxième ville PIA. Nous parlons de la direction Fort-Saint-Michel. Nous parlons particulièrement dans la Roue du Fort. Roue du Fort, côté depuis quelques semaines, le travail bétonnage Cap-Fait. Et nous avons regardé là où tu fait démarrer. Nous étions là le week-end dernier, nous étions là, M. Damien, avancé. Le week-end, ça, le président Jovenel Moïse a fait un coup de pied pour saluer, n'est-ce pas, la population zone, mais tout saluer les techniciens et encourager pour que ils continuent pour travailler, pas camper, pour avant longtemps. Et bien, visage Rue Saint-Michel, visage tout week-end de Fort Saint-Michel changé. Là, pour week-end ça, Richardson Joudin avec Claude Ali, ils font coup de pied. Et toujours dans Fort Saint-Michel, ils sont allés dans la Rue du Fort et ils vont aider nous comprendre à quel niveau technicien TPTC a avancé avec travail bétonnage zone ça. Continuer fou nous j'ai gardé et puis présenter la population ensemble travail qu'a réalisé pour qu'on y a à côté nous là c'est dans Rue du Fort qui toujours dans ville Cap-Haïtien zone Fort Saint-Michel. Le week-end passé nous était là, le week-end ça encore nous tourner pour nous garder qui avancement qui gagne en termes de travail dans zone ça. Nous invitons à suivre. Dans la zone, c'est une zone qui était presque humiliée. Parce que dans le moment, dans le gouvernement passé, la zone n'a pas jamais gagné aucun monde qui était pensé à la zone. Parce que la zone, l'air que gagne la pli, personne ne peut circuler. L'air de l'eau a ravagé le monde. Mais je vous dis, il y a un grand travail qui a fait dans la zone. C'est une félicitation. Rudy Fort, pas de bon même. Non, du tout. L'air de Rudy Fort. C'est un riz presque dit qu'on trouve un pile cochon à bain dans la boue, un pile cochon à bain sous ville, sous zone. Mais journée aujourd'hui, c'est un travail sensationnel qu'a fait. Nous disons bravo pour le gouvernement. Aujourd'hui, grâce à la caravane changement, Figui Zona l'a levé. Non, avec caravane, pour un gros changement au Cap. Et nous dit que le gouvernement, qui est ferme, même si la lutte n'est pas facile, mais que quand même avec l'aide, bon Dieu, il n'a pas avancé. Merci. Comment travaillez là? Nous travaillons là bon parce que nous n'avons pas de route. Pour le bon moment qu'on a, nous avons un bon travail qu'on a fait. Même les beaucoup finis, nous travaillons là bon. Les femmes connaissent son jeune longtemps, tellement qu'on a la boue avec de la dent là, il y a un bon problème. Oui, les gens qui ont la boue, ils sont bon. Là, ça va pas avoir pire. Tout ça, c'est la boue, mais pour le moment qu'on a. Même le travail là, nous travaillons pour une bonne canalisation, tout parce que la route sans canalisation, il va bon. Allez, son travail qui est bienvenu dans la zone là. Oui, bienvenue, parce que le travail là bon. Parce que qu'on est là, même si on a la boue, on a mis le tennis sur le montant, quand on a la boue, on va mettre le tennis pour vous sortir de là, c'est le moment où on a le tennis pour vous sortir. Nous, quand on a fait le travail là, comme on a vécu dans la zone, on a le travail qui joue là. Bon, c'est un réel plaisir pour nous, parce qu'après tant de souffrances, nous même nous avons lancé des forces Saint-Michel. C'est que si je dis à lui-même, le groupe Mounsa qui vient là, ça m'a fait un projet, je pense que c'est une grande réalisation pour nous. Parce que lorsque nous avons subi, nous avons dit de toute qualité, vieux bagaille, donc au fatra, vieux de l'eau bagaille, je pense que le travail ça qu'on est là, c'est de paille nous de qu'on passe, il n'y a pas même gens encore. Nous avons manqué que ma un grand et puis bon, mon cœur son bagaille qui fait tout le monde dans la zone content, du fait que le travail là lui-même est réalisé. Et nous demandons que le groupe Mounsa au capé de nous, l'ensemble ça a bien toujours continuer toujours. Avec le travail ça a fait là, son travail qui est capable de dire qu'il a pile l'importance là. Il a pile l'importance. Parce qu'après tout le monde qui passe, il n'y a pas déjà fait rien pour nous l'enfoncer Michel. Bon, je pense que le groupe Mounsa a lui-même nous trouvé un peu. Nous sommes sur moto là, le travail qu'a fait là, ça veut dire pour vous. Bon, normalement, nous sommes satisfaits pour le bel travail qu'a fait là.
parce que nous avons parlé en pile sous le gouvernement. Le travail qui a fait au Cap là, nous croyons que tout le monde est satisfait de travail là. On a là gain en pile monde qui était qu'on a parlé en pile là on a nous commencer à les souffler nous les nouveaux travailleurs. Bon quand même nous entrer autant qu'il faut point parce que un bel travail comme ça qui bon pour tout le monde qui bon pour population et travail là continuer à grand pas ça fait plaisir en pile. Et première fois on travaille ça dans zone là. Bon quand même c'est pour la première fois nous grand travail ça dans zone. Travail qui bienvenu grâce à caravane changement. Bon quand même nous féliciter le président Jovenel en pile pour bel travail ça. D'accord, merci. Ok. Ensemble, nous avons plus fort zone dans la fin bétonné, dans le 10 fois, cap haïtien. Nous parlons avec nos zones, nous parlons avec quelques techniciens qui nous travaillent, qui parlent de l'importance du travail ça qui pour nos zones par rapport à une série de problèmes que nous avons fait face. Tant que l'eau avec la boue qui était envahi la zone ça longtemps. Je ne sais pas, plus fort zone dans la fin bétonné, qu'on a un peu pour travailler à la fin net. C'est ça qui fait. Et on encourage le chef d'État haïtien qui est venu avec l'initiative ça, qui c'est Caravane Changement. C'était Richardson Joudan pour la Télévision Nationale d'Haïti. Là, on a toujours été dans le nord, et département nord pays, et pour nous continuer à fournir, regarder et ça qu'a fait, et garder la réalité qui entoure mon cap vivre dans diverses communes dans le département nord. Mais là, c'est, nous prenons surtout mettre focus sur son visite, et le président Jovenel Moïse fait, et dans l'hôtel, au Cap Haïtien, l'hôtel Satamba, et son construction qui a démarré sous l'administration du président Michel-Joseph Martelly, et qui est venu dans le Boutli. Et là, évidemment, c'est un édifice qui a attiré l'attention. N'est-ce pas l'hôtel ça? Et c'est parce que même Moutmon Joli a utilisé pour gagner accès à l'hôtel Satama. Et certainement, vous parlez chef d'État de Kroken Chen Construction ça. Et puis, il a décidé matin à le faire garder, rencontrer les responsables. Et n'est-ce pas encourager? Parce qu'au fait, chaque fois gagner investissement, ça capable de faire une création de richesse et puis travail à créer. Alors là, le week-end, ça a une grosse attention sur le nord, puisque c'est pour le fait la Saint-Jean pour le nord-est, pour le trou du nord particulièrement, et président. Et l'île zone là, il était profité de présence pour le faire coup de pied ça dans l'hôtel Satama. Équipe nous, Richardson Joudan et puis Laurent Dali Jean-Jacques, t'es accompagné en suivant ensemble. Comment ça t'est?
Voilà, visite président Jovenel Moïse pour saluer l'initiative ça. Vous mettez campé l'hôtel ça dans la deuxième ville pays, l'hôtel ça Tama. Et je me dis, non, c'est presque même mon joli, c'est le grand pour capable de diriger dans l'hôtel ça, chef d'État qui rencontre les responsables, saluer l'initiative, encourager. Parce que j'en ai dit tout à l'heure, chaque fois qu'il y a un investissement ça, il y a très certainement créé un job. Et les job, ça permet de gagner l'argent, richesse à créer. Et c'est quand même de montant leur qualité d'investissement ça pour encourager et dans le pire au niveau de l'État. Président, par exemple, suspendre la occasion de vous dire, nécessité pour que vous encouragez l'investissement direct dans le pays, nécessité pour que, n'est-ce pas vrai, vous encouragez les gens à créer des jobs, créer des entreprises pour permettre à la population d'aller et en souffre. Parce que de toute manière, son volet on ne peut plus important pour le développement pays. Là, c'est à l'État pour créer conditions, parce que tout le monde n'est pas capable de bailler. On travaille, mais l'État est capable de créer conditions, assurer que il y a de l'eau, il y a courant disponible, il y a route disponible, et puis voilà, pour que richesse créée, et puis pour que la population très certainement capable de râler et en souffle. Là, c'était pour visiter ça, et président Jovenel Moïse Fenn à l'hôtel Satama, c'était samedi ça. Toujours dans le même samedi, président Jovenel Moïse participait à l'inauguration de l'école professionnelle dans la commune Trou du Nord. Je nous dis un Trou du Nord qui a l'honneur le week-end, puisque c'est la Saint-Jean. C'est l'occasion qu'on fait acte pour nous saluer tout pèlerin, tout le monde est dans la communauté à Cap-Paré pour fêter la Saint-Jean. Et là, jeudi samedi, le président Jovenel Moïse, qui était gars avec la première dame, l'autre officiel dans l'État, notamment responsable de l'INFPA, la Guy Ducé, de procéder à l'inauguration de l'école professionnelle. Ça. Sabine Jean-Étienne, Jean-Naël Duane était sur place pour TNH. On a suivi ensemble comment ça a été. Après un pile de difficultés, projet construction à l'école professionnelle Trou du Nord a démarré en septembre 2017 sous demande président républicain Jovenel Moïse avec financement Banque Interaméricaine de Développement pour environ 2 millions de dollars. Il y a 9 bâtiments qui ont recevoir étudiants, salle ça équipé avec matériel moderne qui pour permettre étudiants faire travail pratique. Yon initiative, autorité locale yon applaudit. La caille c'est la caille, président. Jodia, la caille m'a dit unité. Unité. Nous pas rater train. Nous m'a dit unité. Nous m'a dit toute force politique dans Trou du Nord, dans le département, pour nous faire un protocole avec le président pour rêver. Trou du Nord a réalisé. Centre formation professionnelle Trou du Nord a une capacité pour recevoir environ 720 étudiants. Couyo centré sous 4 grands secteurs tant que textile, construction, hôtellerie et puis technologie information et communication. Un véritable outil qui permet jeunes yo mettre connaissance dans tête yo et puis changer situation économique yo. Nous là jodi an nan une occasion spéciale. Nous là pour nous inaugurer l'école ça qui c'est l'école nous. Inaugurer une école c'est partager avec monde qui dans communauté a. Un mot so pain l'instruction, un mot so formation, un mot so la vie. Inaugurer une école c'est offrir jeunes yo une chance pour yo bâtir avenir yo dans travail à dignité. Inaugurer yon l'école, c'est bay communauté a opportunité pour le développer connaissance et compétence, pour le cap prendre destin en main et pour le cap porter participation dans construction et développement nouvelle Haïti. Président républicain Jovenel Moïse encourage jeunes yo prendre chemin l'éducation pendant yon joine opportunité a. Ça cap aider administration la réussi dans grand projet développement socio-économique li gen pour pays a. Jodi a moi la caille moi dans Trou du Nord gros l'école professionnelle ça que m'a inauguré là qui gagne 20 métiers là-dedans. Ça veut dire gagne 20 métiers moun ka apprendre ici là. Ça veut dire gagne plus passé 700 jeunes femmes et jeunes garçons cap ka vin apprendre ici là. Et là gagne possibilité pour fond diplôme dans 12 mois. Pour l'autre possibilité pour faire un gros diplôme dans 2 ans. Ça veut dire, j'en nous connais pour faire créole là, dit, deux hommes mouillés la pli, et un qui mouillé plus passé l'autre. Ou bien doit décider pour venir dans l'école là, mais on dit ou pas arrêter fait diplôme 2 ans. Il y a possibilité pour faire un diplôme sous 1 an. Laisse ça à connaître. Moun qui arrêter fait 2 ans lui-même.
L'elle joue un job, il va le toucher plus pas ça. C'est ça pour qu'on est. Mais ça n'a pas empêché tout ou même pour qu'on diplôme dans mon un an. Moi, profiter remercier, j'aime toujours faire publiquement chaque monde qui décide pour accompagner nous. Inauguration de l'école professionnelle moderne, ça fait partie de divers projets qui réalisés dans le Trou du Nord pendant la fête Saint-Jean-Baptiste, Saint-Patron Mounotrou, qui célébré chaque 24 juin. C'est un aspect tout dans la caravane changement qui exécute le travail selon besoin chaque zone dans le pays. A. Ça a toujours été au trou, et puisque j'en ai dit là, week-end ça au trou à l'honneur, même j'en pilote commune d'un pays à Cap et fêté la Saint-Jean. Là, nous pourrons regarder qui j'en travaille construction route là avancée. Deux semaines de ça, équipe TNH est là. Nous parlons avec responsable travaux publics dans le département qui dit nous, il y a une instruction pour que le travail continue, mais tout pour mettre la bouchée double avant Saint-Jean, même si on prend quelqu'un pour poursuivre. Pour week-end la Saint-Jean, comment travailler la construction autour du Nord là mais qui niveau technicien ou y à coûte là. On va voir tout ça avec Sabine Jean-Étienne et puis Jean-Naël Duvernay. C'est pas seulement dans Cap-Haïtien caravane changement a fait route, mais tout dans le département nord-est pays, spécialement dans le Trou du Nord, route a construit. Là, on a regardé travail asphaltage, oui Saint-Charles cap avancé à grands pas. Population Trou du Nord applaudit l'initiative président républicain Jovenel Moïse pour embellir l'image pays à travers infrastructure routière. On travaille comme ça mes amis. Au monde. C'est au monde qui sent qui pas gain qui pas travail gain comprendre seulement qui travaille pas très bien travail ça. Au monde qui pas remettre travail ça mon cher, nous ça lui pas connait qui mon même. Bon point. Bah qu'on est qui monie mais on sait barrer ma dit nous moi me travaille en pile en pile en pile et c'est pas seul ici à là je viens là travailler nous connais là travailler tout pays tout pays tout côté net route là qu'a fait là il fait bien tout parce que t'as passé poussière quand que poussière qu'on y a rien on passe dans route là il est bien belle. Bye. Grâce à la construction de route, le problème de l'eau et la boue fini pour les gens qui ont utilisé la route, les la pluie tombée. Travail asphaltage rue Saint-Charles là, rivé tant qu'un cadeau pour les zone. Dans la période de côté, les Trou du Nord a fêté Saint-Patron, Saint-Jean-Baptiste. N'a pas rappelé, chef l'État a une vision pour construire environ 4000 km de route dans tout le pays avant fin mandat là en 2022.